on est dans le patio d'entrée, où on rentrera toujours par la faille de ce bâtiment-là, qui était vraiment l'accès d'origine de ce bâtiment, qui vient vraiment créer toute cette découpe de ciel très particulière. Et là, ce que vous voyez, ce que vous allez voir partout, c'est terminé. En fait, on a terminé le chantier. On est dans les petites phases de finition. On a considéré ce bâtiment-là plutôt comme un être vivant qui a 90 ans d'âge et qui a toute une histoire, qui a des rides, des blessures, des fractures, etc. Et pour nous, il n'était pas du tout question de faire un lifting et de le rajeunir et de qu'il ait 20 ans, etc. Et il faut bien qu'il soit très fonctionnel et qu'il soit totalement adapté au nouvel usage, à une nouvelle utilisation, parce que c'est avant tout un véritable outil. Mais il fallait absolument qu'il garde en lui toutes ces couches de mémoire, toute cette histoire, à travers vraiment les époques qu'il a traversées. Que ça soit l'histoire de la guerre, ou que ça soit l'histoire des familles qui l'ont habité. Pour situer un peu, on est au niveau du rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée va être vraiment un espace d'accueil du public, et qui s'ouvre complètement sur la ville. Les deux premiers éléments de collection qu'on a sont ces escaliers. Vous voyez ces cages d'escalier qui traversent l'espace. Ce sont ces éléments qui sont liés à toute une histoire qui est l'histoire des francs-tireurs dans ce bâtiment-là. Où essentiellement, les francs-tireurs qui étaient installés aux deux premiers étages avaient démoli ces marches pour empêcher tout accès adverse. Et donc, pour moi, c'était essentiel comme élément témoin. On a vraiment ces marches qui mènent nulle part et tout cet espace-là qui a vraiment beaucoup de signification par rapport à un lieu de mémoire tel que celui-là. Alors après là, on traverse vers l'espace central. On est toujours, vous voyez, en couture, en connexion entre l'ancien bâtiment et un nouveau bâtiment à rajouter. Ce nouveau bâtiment joue un rôle principal qui est vraiment un rôle de service et un rôle d'unité. Donc le nouveau bâtiment inclut tout ce qu'il y a comme espace de circulation et distribution d'ensemble. Entre escaliers, la grande rampe qui vient distribuer tous les étages, les ascenseurs. L'autre approche dans le nouveau bâtiment, c'est tous les éléments nécessaires à ce centre culturel, au centre de recherche de documentation que l'ancien bâtiment ne pouvait pas contenir. On est bien au-delà d'un musée, on n'est pas du tout dans une logique de musée, on est plutôt vraiment dans un centre de recherche et dans un centre culturel qui va gérer les questions de mémoire. Et c'est un travail de très longue haleine. On est passé d'un processus d'amnistie générale vers une amnésie générale. Et on est passé dans un processus où on ne veut pas savoir ce qui s'est passé, on ne veut rien savoir. Alors on espère que ce lieu-là, ouvert au public, va pouvoir vraiment être le premier outil qui permettra vraiment de faire ce travail de longue haleine. Le nouveau bâtiment tel qu'il a été fait dans sa forme, on a travaillé un peu en fer à cheval. C'est vraiment un élément qui vient connecter l'ancien. Vous voyez ces deux blocs articulés qu'il y avait à l'origine autour de la faille. On arrive d'un côté, à travers la rampe. On arrive à visiter totalement l'étage, traverser, reprendre la rampe de l'autre niveau et en continuité comme ça assurer la liaison de l'ensemble du bâtiment. Donc le premier étage d'exposition, qui est vraiment l'étage, on est encore dans le réglage de lumière, qui est l'étage, je m'appelais l'étage des francs-tireurs. Enfin, c'est un étage dans lequel il y a encore toutes les installations des francs-tireurs qui sont encore là. Mais pas que ça, on a travaillé dans cet étage à figer l'instant. C'est plus un travail de momification quasiment, c'est vraiment on a arrêté l'instant. Et pour moi, c'est vraiment l'étage qui a vraiment une charge émotionnelle très importante. C'est là qu'on va sentir des choses. Et on va commencer à se questionner, à se poser des questions. Et on pourra après, dans le reste du bâtiment, commencer à trouver des éléments de réponse à ces questions-là qu'on pose. Là, on retraverse l'espace. Vous savez, la maison libanaise à haute centrale avec la triple arcade, les deux colonnes de marbre. Et là, on a encore les colonnes de marbre qui sont toujours là. Et là, c'est trois meurtrières. Avec toujours le graffiti qui date de l'époque. Hein. El-Jahim, l'enfer. On aurait pu mettre ça sous cage, sous vitre épis, ou créer des barrières, dire interdit de toucher, ne vous avancez pas, etc. Je crois que ça aurait totalement retiré une grande charge émotionnelle au lieu. Qu'on ne se croit pas dans un musée, on n'y est pas, on est dans un lieu de mémoire. Fin de parcours de cet étage, début du parcours de l'étage au-dessus, et du coup les espaces chercheurs qui se situent à l'arrière ici. On a toujours ces regards qui se croisent, cette rencontre qui s'établit entre les deux. On voit clairement.
Le but aussi, c'est pas focaliser complètement que sur l'histoire de la guerre. Aussi, au fur et à mesure qu'on monte dans ce bâtiment-là, la lecture change aussi. C'est qu'au premier étage, on a travaillé d'une manière vraiment très féroce de préservation absolue. Dans cet étage, on a préservé les choses essentielles et les parties manquantes ont été remplacées. On a recréé des circuits qui permettent vraiment un parcours. Et à l'étage en haut, on s'est libéré encore plus. On a vraiment pu libérer l'espace pour créer vraiment un grand espace d'exposition. Et les quelques traces qui restent de l'époque ont été gardées par rapport à ça. Donc à chaque fois, il y a aussi un sentiment de libération au fur et à mesure qu'on rentre dans ce bâtiment, de sortir un peu, de ne pas rester, de ne pas être redondant et répétitif sur toutes les, toujours les mêmes questions. Ce qu'il y a de très important à cet étage, c'est quand même les graffitis. Les graffitis des francs-tireurs qui sont toujours là. Ça, c'est un autre des francs-tireurs, c'est M. Begin, qui a pris le nom du Premier ministre israélien. Et celui-là, il dit une chose très particulière quand même. C'est un franc-tireur qui dit « je veux dire la vérité ». Alors c'est quand même assez... Moi, ça me toujours surprise. C'est quoi la vérité d'un franc-tireur, de quelqu'un qui était vraiment là en assassin? C'est tout ça qui hante le lieu encore qu'il habite. Et en même temps, ouais, c'est d'autres langages d'architecture. On est dans de l'art déco. Et là, le travail est différent. Là, les parties manquantes ont été remplacées. C'est une prothèse de peau qui a été greffée ici, qui redonne une part d'humanité à celui-là, d'une certaine manière. Mais parce que l'approche émotionnelle intense a été faite à l'étage au-dessus. Aussi, cet étage-là était peu utilisé par les francs-tireurs, c'était des étages qui étaient plus dangereux, donc il n'y avait pas d'installation de bunker ou d'installation comme celle-là. Ce qui restait, c'est les traces de vie et les quelques graffitis. Alors ça, c'était un étage qui était très détérioré, parce qu'il y avait vraiment, il recevait un peu toutes les roquettes, tous les obus qui pouvaient arriver en partie haute, et donc le toit, la dalle de toiture, était vraiment dans un état d'élabrement assez avancé. On a dû découper ça en petits morceaux, pouvoir démonter ce toit-là et réinstaller un nouveau toit, une nouvelle dalle de toiture au-dessus. Et on a en même temps profité pour désenclaver les espaces et créer vraiment ce grand plateau ouvert qui s'étale à peu près sur 800 mètres carrés. Ça, c'est le dernier bout de toiture qui est resté. Vous voyez, c'était dans cet état-là. C'était des membres, il y avait vraiment des membres témoins. A priori, ça va plutôt être l'espace resto avec toute la terrasse de verre qui permet vraiment le regard sur la ville. Maintenant, tout le challenge, c'est vraiment de le sortir de tous les enjeux religieux, politiques et confessionnels. Il faut que ça soit un lieu qui soit autonome et indépendant à tous les niveaux. Il y a deux dangers pour l'avenir d'un lieu comme celui-là. C'est qu'il rentre dans ses méandres libanais et absurdes ou qu'il soit fermé et délaissé, laissé complètement à l'absolu. Mais ça va marcher, ça va marcher. Ça va marcher, on en est déjà là. Donc il n'y a pas de raison pour que ça continue pas.